Aujourd'hui, j'ai décidé de tester la capacité de soulèvement des CX-10. J'apprécie beaucoup vos messages et je les lis avec beaucoup d'attention. Merci donc à Maelstrom pour cette super idée. Certains ont peut-être déjà regardé cette vidéo que j'ai faite. Comme indiqué dans la description, c'est bien sûr une blague. Voici la preuve. Chaque drone était chargé au maximum avant chaque essai. On va commencer avec le CX-10A qui pèse sans charge 12,7 grammes. J'ai fixé un petit contenant sur le dessus du drone. Je le remplis. Le CX-10A pèse maintenant 14 grammes. Il soulève sans aucun problème 1,3 grammes. Je suis donc passé à un contenant de la taille supérieure. Le CX-10A pèse maintenant 16,8 grammes. Il soulève 4,1 grammes, toujours sans problème. Maintenant 18 grammes pour un poids soulevé de 5,3. Il vole toujours sans difficulté. 18,4 et 5,7 soulevés. À 20,3, soit 7,6 soulevés, le drone décolle mais tombe rapidement. Le dernier test à 20,6 grammes, soit 7,9 soulevés, c'est vraiment la limite. On va passer au CX-10C qui lui pèse 15,1 grammes. On va lui ajouter pour commencer un poids de 1,3 grammes. Le poids total est de 16,4 grammes. Comme vous vous en doutez, il vole sans difficulté. Maintenant 17,7 grammes au total, pour un poids soulevé de 2,6 grammes. Toujours pas de problème. Pour 18,9 grammes et 3,8 soulevés, toujours aucun souci. On va passer à 19,3 grammes pour un poids soulevé de 4,2. grammes au total pour 5,1 soulevés. 20,4 grammes au total pour 5,3 soulevés. grammes au total pour 6,8 soulevés. On vient d'atteindre la limite de poids pour le CX-10C. Passons au CX-10W qui lui pèse 17 grammes sans poids supplémentaire. On va lui ajouter pour commencer un poids de 0,9 g. Le poids total est de 17,9 g. Passons à 19 g, soit 2 g de poids soulevé. Sans surprise, le drone décolle et vole parfaitement. 20 g, soit 3 g de poids soulevé. Encore une fois, pas de surprise. Passons à 20,5 g, soit 3,5 g de poids soulevé. Le poids devient très limite et le drone s'effondre. À 20,9 g, le drone ne décolle même plus. Passons au petit dernier, le CX-10WD, qui lui pèse 19 grammes sans poids supplémentaire. On va commencer avec 2,8 grammes, pour un poids total de 21,8 grammes. Test à 24 grammes, soit 5 grammes de poids soulevé, pas de problème, il décolle. grammes, soit 5,6 grammes soulevé. 2. Je remplis le contenant au maximum, pour un poids total de 27,2 grammes, soit 8,2 grammes de poids soulevé. Aucun problème, il décolle, c'est bluffant. Le grand gagnant est à ma grande surprise le CX-10WD, qui soulève 8,2 grammes difficilement, mais il vole pour un poids total de 27,2 grammes. J'aurais parié sur le CX-10A, qui est beaucoup plus léger. Dans cette vidéo, je ne parle pas du temps de vol, qui doit être considérablement réduit avec la charge. Si vous avez des idées de vidéos, des tests à réaliser ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, à plus.